Cette qualif est terminée. Alors, le live timing, il n'est pas à jour parce que, évidemment, la FIA a trouvé le moyen de nous annuler un temps 15 minutes après la fin de la qualif. Et en pleine interview, celui de Piastri. Donc, le classement réel est Verstappen, Russell, Hamilton, Alonso, donc Lewis 3, Alonso 4, Leclerc 5, Piastri 6ème. Son meilleur temps est annulé pour track limit. Gasly, bon, P7, Ocon, P8, ça change pas. Tout comme Bottas et Norris. Lui également, son meilleur temps est annulé pour track limit. Donc McLaren, pas de bol, hein, pour le coup. Coup dur. Tsunoda, ensuite, 11ème devant Sainz. Étonnant, éliminé en Q2. Carlos Sainz, je m'y attendais pas, pour être honnête. Étonnante, cette contre-performance. Bon, Perez, qu'y a-t-il à dire sur lui, hein, parce qu'il n'a pas réglé ses problèmes, en fait. Il avait dit, on a trouvé, ça y est, on a trouvé. Ben non, vous n'avez pas trouvé du tout, en fait. Mytho. Albon, Hülkenberg, Sargeant, Stroll. Stroll, la honte. Stroll, la honte. 17ème avec une Aston Martin. La honte, Lens. Lens, démission, quoi. Franchement. Hein. Toujours, hein. Encore et toujours. Hein. Lawson. Bon, Lawson, sur ce week-end, il n'a pas l'air en forme, hein, pour le coup. En même temps, il ne connaît pas le circuit, ça aide pas. Magnussen 19 et Joe, pareil, grosse méforme du chinois. 20ème, bon dernier, alors que Bottas est arrivé en Q3. Voilà pour cette qualif. Bon, la FIA, la prochaine fois, allez un peu plus vite parce que le pauvre Piastri, quand même, le mec se fait interviewer, son temps est annulé en direct pendant son interview. Non, mais quelle honte. C'est n'importe quoi, là. C'est la FIA, hein, de toute façon, voilà. Donc, bon, je vais essayer de faire quelques déclarations avant de nous coucher. Et demain, prochain live à 15h, hein, pour la qualif du sprint, donc. Le sprint qui aura lieu à 19h30 demain soir. Et voilà pour les qualifs de dimanche.